Le 24 avril 2018, les développeurs polonais d'11 Bit Studios publiaient leur tout nouveau jeu vidéo, Frostpunk. Ces créateurs s'étaient déjà fait remarquer par la communauté des joueurs avec This War of Mine, leur précédent opus sorti en 2014. Ce jeu permettait aux joueurs de vivre l'expérience de civils en temps de guerre, en essayant d'y faire survivre le plus longtemps possible un petit groupe d'individus bloqués au cœur d'une ville assiégée. This War of Mine m'avait personnellement beaucoup marqué, pas seulement pour ses qualités évidentes ou son côté historique, qui était largement inspiré du siège de Sarajevo entre 1992 et 1996, ce qui le prédisposait à être étudié dans un Aleps, mais surtout pour les choix moraux que les développeurs proposaient aux joueurs. Faut-il piller la maison voisine pour récupérer quelques vivres, quelques médicaments, quitte à priver un vieil homme de ses biens de première nécessité ? Est-on prêt à se battre et même à tuer nos concitoyens pour récupérer du bois et mieux isoler son abri du froid ? En bref, la question de la survie et des limites de l'humanité face aux dangers était traitée de manière juste et subtile dans This War of Mine. Étant donné qu'on ne change pas une équipe qui gagne, 11 Bit Studio a récidivé avec Frostpunk. Ce nouveau jeu de gestion propose aux joueurs, dans différents scénarios, de gérer une communauté humaine au cours d'un 20e siècle ravagé par une période de glaciation. Encore une fois, l'une des grandes réussites du jeu est sa gestion de la morale. Face à une difficulté à survivre toujours plus importante, le joueur est par exemple tenté d'exploiter la main-d'œuvre gratuite que représentent les enfants dans des mines. De la même façon, les conditions climatiques glaciales raréfient les denrées alimentaires, jusqu'à soulever cette question dans l'esprit du joueur. Faut-il autant nourrir les malades que les travailleurs ? Les développeurs nous questionnent également sur l'actualité. Votre ville peut-elle accueillir tous les réfugiés climatiques ? Ou faut-il privilégier vos habitants d'origine et refuser les autres pour plus facilement gérer la ville ? Bien qu'ils aient ancré leur jeu dans un univers steampunk, c'est-à-dire une uchronie de l'époque victorienne, où la révolution industrielle et les machines à vapeur ont bien davantage influencé notre quotidien, je suis persuadé que les développeurs de Frostpunk se sont avant tout inspirés de notre monde réel, et en particulier d'un archipel situé dans l'océan Arctique, le Svalbard. En matière de géopolitique et de relations internationales, le Svalbard fait figure de véritable ovni. Situé dans l'océan Arctique, cet archipel fut le seul territoire ayant accueilli des hommes, de manière temporaire depuis le XVIIe siècle et permanente à partir du XXe, tout en étant une terra nullius. Cette formule signifie que le Svalbard était initialement une terre sans souveraineté, dont chaque État pouvait revendiquer la propriété. Plusieurs d'entre eux ont ainsi réalisé des études archéologiques et historiques entre le XVIIe et le début du XXe siècle afin de justifier cette revendication. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, mais aussi la Norvège, la Suède et la Russie. L'intérêt de l'ensemble de ces États pour le Svalbard a toujours résidé dans ses ressources naturelles, la pêche, la chasse et le charbon. Ainsi, la Russie a par exemple longtemps exploité une mine de charbon, entretenant alors plus de Russes sur place qu'il n'y avait d'autochtones sur l'archipel. Cette question de l'exploitation des ressources est également un élément essentiel de Frostpunk. Afin de chauffer et nourrir vos habitants, qui est l'objectif de la plupart des scénarios, le joueur a la nécessité d'exploiter des ressources naturelles, charbon, bois, acier et viande crue. Finalement, la situation du Svalbard va évoluer avec le traité international du 9 février 1920, qui a reconnu à la Norvège la pleine souveraineté sur l'archipel, tout en imposant une démilitarisation totale de la zone. Fait exceptionnellement rare, le traité a également autorisé les citoyens des pays signataires à avoir des activités scientifiques, économiques et commerciales sur un pied d'égalité absolue.
Personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'interpréter Frostpunk, et plus particulièrement son objectif d'accueil de tous les réfugiés de la planète, comme une référence à cet accès quasi universel au Svalbard et à ses ressources. Mais c'est principalement le second scénario du jeu qui m'a interpellé. Dans celui-ci, une communauté de scientifiques est chargée de maintenir en état des silos contenant l'ensemble des graines des espèces végétales de la planète. Cette idée n'est pas seulement issue de l'imagination des développeurs d'11bit Studios, puisqu'elle fait référence à un projet international incroyable mais assez méconnu, celui de la réserve mondiale de semences du Svalbard. Cette dernière, inaugurée en 2008, est une chambre forte gérée par le gouvernement norvégien, l'organisation internationale Global Crop Diversity Trust et la Banque génétique nordique. Son but est de conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique. Pour ce faire, trois salles totalisant un volume de stockage de 1500 m3 ont été creusées dans le flanc d'une montagne à 120 mètres de profondeur. Le Svalbard a été choisi pour son absence d'activité tectonique et son permafrost, c'est-à-dire vulgairement sa couche de glace, qui aide à la conservation des graines. Le charbon, exploité localement, permet également de faire tourner les climatisations et ainsi de maintenir une température de moins 18 degrés Celsius. Des études ont démontré que les conditions de conservation de la réserve peuvent permettre de préserver des graines pendant plusieurs centaines, voire des milliers d'années. À l'occasion des 10 ans de son inauguration, en février 2018, la réserve a dépassé les 4000 espèces différentes conservées, ce qui représente plus d'un million de graines. Évidemment, après ma série de vidéos sur l'apocalypse et cette étude d'un jeu de survie, vous pourriez penser que le but de cette réserve est de préparer la fin du monde. En réalité, il s'agit davantage d'une protection face aux pertes accidentelles de végétaux dans les banques génétiques traditionnelles. Certaines d'entre elles peuvent en effet se trouver en zone de conflit ou tout simplement fermées pour des raisons budgétaires. Ainsi, contrairement à votre ville dans Frostpunk qui constitue le dernier espoir de l'humanité, la réserve mondiale de graines du Svalbard n'a d'apocalyptique que son surnom, l'Arche de Noé végétale. En conclusion, au-delà de sa réalisation qui en fait une excellente surprise de cette année 2018, Frostpunk nous interroge sur notre rapport à la nature. Que ce soit par le scénario d'apocalypse climatique, la gestion des ressources naturelles, ou le clin d'œil évident à la réserve mondiale de semences du Svalbard, les développeurs d'11bit Studios arrivent à plonger leurs joueurs au cœur des problématiques actuelles de réchauffement climatique et de disparition progressive de la faune et de la flore. En s'inspirant presque ouvertement du Svalbard pour leur jeu, les créateurs ont également rendu hommage aux efforts répétés des pays nordiques pour la planète. En effet, la Banque génétique nordique a débuté sa conservation de graines végétales dès 1984, soit 4 ans avant la création du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Malgré des antipodes climatiques, entre le froid polaire de son univers et le réchauffement de notre monde, Frostpunk nous rappelle avec justesse que la préservation de notre planète est une cause universelle.